Alors, une variante à la règle que nous venons de voir où on a vu que le plus grand est le nombre qui est le plus à droite et le plus petit le nombre qui est le plus à gauche, c'est si la droite graduée est verticale au lieu d'être horizontale. Un peu comme les températures sur un thermomètre. Les nombres positifs sont vers le haut avec la flèche qui est ici. Cette fois-ci, le plus grand ne sera plus celui qui est à gauche ou à droite, il n'y a plus de gauche et de droite, ça sera celui qui est le plus haut. Le plus petit est celui qui est le plus bas. Le plus grand est celui qui est le plus haut. Alors, un exemple, on voit ici moins 2 qui se trouve 0, moins 1, moins 2 ici, moins 5, donc moins 3, moins 4, moins 5 ici. Moins 2 est plus grand que moins 5, moins 2 est au-dessus. Moins 5 est plus petit, moins 5 est en dessous. Si je prends notre exemple avec moins 2 et 2, 2 se trouve ici, 2 est au-dessus, 2 est plus grand, moins 2 est en dessous, moins 2 est plus petit. Et comme d'habitude, ça va être plus longtemps, 2 est plus petit que 6, 6 est au-dessus. Donc là aussi, que les nombres soient positifs ou négatifs, ça n'a pas d'importance. Le plus petit est toujours celui qui est le plus en bas. Le plus grand est celui qui est le plus en haut.